Hop là, le micro. Faut prendre le micro quand même. Si on prend pas le micro, fait comment pour faire une vidéo, hein? J'ai envie de dire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Ark. D'ailleurs, je vais faire ça. Voilà, beau gosse. Qu'est-ce qui se trame dans cette vidéo? Qu'est-ce qui se trame? Il se trame que j'étais en expédition. Je suis parti en expédition à mon petit Argentavis level 241. Et je suis retourné dans notre première base, bah tout simplement. Et du coup, je suis passé à côté et du coup j'ai vu qu'elle était là. Et je me suis dit, bon, je vais y aller vite fait parce que bah, j'avais quasiment pété ma pioche. Donc je suis allé la réparer, voilà. Bon, tout ça, tout ce qui est là, je l'ai retrouvé dans des caisses, hein, tout simplement. Voilà, c'est tout. J'ai farmé un petit para qui peut être utile. J'ai farmé le fiomia pour pouvoir faire les graines. De la merde, pardon. Pour pouvoir faire de la merde pour faire de l'engrais. Voilà. Et j'ai eu une petite idée. Est-ce qu'on ferait pas un petit raid pendant qu'on y est? Donc on va les raid. Alors pour ça, ce qu'il faut, c'est de la poudre à canon. Et il faut apprendre l'engramme. L'engramme. Granada. Granada, voilà. Ah, il faut du pétrole aussi. Ah ouais, mais c'est bon. C'est bon. Pétrole, j'en ai pris plein sur le chemin. Avec mon argent, regardez ça. Paf, tout le pétrole. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre l'argent de Tavis. Et on va aller d'abord quand même fermer la porte, pas pousser. Là, je suis en train de faire quelque chose. On va éviter de se faire piller. On va aller récupérer les drops, hein, qui sont essentiels quand même. Même s'il y a quand même beaucoup de merde à l'intérieur. Allez, pas d'embrouille. Franchement, quand je filme pas, il n'y a pas d'embrouille. Dès que je filme, ça part en vrille. C'est quand même un délire, hein. Et après, on ira chercher des plantes spécimens X. Parce que c'est l'objectif, hein. Quand même, l'objectif, c'est de protéger la base. À chaque fois que je me connecte, j'ai une boule au ventre. Alors, est-ce que ça n'en serait pas, ça, là? Je connais pas ces plantes. On va voir. C'est quoi, ça? Non. Ça en est pas? Je connais pas, hein. Je suis peut-être de la merde. Non, ça en est pas, hein. Clairement, ça en est pas. Bon, ouais, tant pis. Alors, peut-être que ça en était, j'ai raté mon coup. Je sais pas. Bref, ça serait cool aussi de pouvoir peut-être tamer un tyrannosaure. C'est pour ça que j'essaie de faire des flèches. Ouais, au passage. Et du coup, les plantes spécimen X, là, je sais absolument pas à quoi ça ressemble. Y a pas un drop à côté là? Non, putain, y a rien. Ouais, y a celui-là. Ouais, non, c'est trop loin. C'est trop loin. Bon. Alors. Y a une base là. Attendez, s'il y a des bases, on les raid. On va tout raid ici là. Ok. Lui, il est fermé. Lui, il est ouvert. On va aller checker, hein. Tant qu'on y est. Elle était pas celle-là la dernière fois. Hop là. Ok, y'a que dalle. D'accord, très bien. Allez, bah on retourne à la base. On va se faire nos petites grenades et on va tenter le raid. J'espère que ça a marché. J'espère qu'une grenade suffit à péter le bois. Je sais pas du tout. J'ai jamais utilisé ça. Ma foi, on verra bien. Faut que je check ma viande là. Dans 6 minutes, elle pourrit. Donc il faut que je sois attentif. Oh, retour à la base. On est où là? J'ai 94 poudres à canon. Je peux faire 3 grenades. Grenade. 3 grenades. Bon, on va voir. Oh, ça donne. Go piller. J'ai repéré une base, hein, évidemment. Je ne pars pas comme ça en faisant n'importe quoi dans mes vidéos. Croyez quoi? Tout est planifié. Sauf le moment où ça va pas envoyer complet. Allez. Objectif. Objectif, défoncer cette base. La tribu de Rocky. Repéred. Alors. On va voir un peu ce que ça donne. Il n'y a pas de danger. On va juste survoler un peu. Voir si je ne vais pas me faire attaquer par un truc. Au passage, non. Alors vous m'avez l'air bien là. Vous m'avez l'air super riche. Ok. Ouais, ça a rien fait, t'es sérieux? Ok, je vais en rejeter une. Éloigne-toi! Mais ça fait que dalle, c'est abusé!
Elle avait 500 points de vie, la porte. Elle en a 300, c'est de la merde. Mais ça chier. Bon, après, d'un autre côté, ça demande pas beaucoup de ressources. Bon, écoutez, on va faire à l'ancienne. Voilà, comme ça. Allez, l'argent. Bon, évidemment, pour que cette séquence ne dure pas 10 minutes, je l'avais déjà entamé. Hein. Mais ouais, c'était prévu, quoi, avec quoi. Vous croyez quoi, enfin, on casse. J'espère juste qu'il y a des trucs cool, hein, dedans. Yes. Alors, qu'est-ce qui se trame là-dedans? On y entre avec l'épée, on sait jamais. Ok, il y a des mecs. Alors, qu'est-ce que vous avez, les gars? Qu'est-ce qui se passe? Ok. C'est quoi, ça? Œuf de mégalosaure. D'accord. Oh, ça m'intéresse, ça. La viande pourrie, merci bien. Tiens, je te mets de la viande pas pourrie à la place. Voilà. Ici, vous avez... Oh, du fer. Là, il y a quoi? Du... Ouh, ça, c'est bien, ça. Allez, bon. Allez, ciao. On prend tout. Ouah, 2000 de fer ici. Des balles, des trucs, il y a plein de trucs. Eh, merci les frérots. Eh, franchement, tribu qui a l'air d'être une tribu de clodo, mais en fait, les mecs, ils sont richissimes. Hein. Richissimes, 2000 de fer. Bah écoutez, franchement, je suis content. Je suis content, c'est un petit raid comme ça, là, au passage. Évidemment, on va aller raid l'autre. Hein. Merde. Bon, c'est pas très pratique. Hein. Voilà. Paf, prends ça. Tac. Ok. Y'a quoi là-dedans, là? Y'a rien. Là, y'a quoi, là? Y'a du bois. Vous avez quoi sur vous? Ah, le chapeau, là. Le chapeau de cow-boy, j'adore. Comme ça. Yes, tribu des culs. Alors, vu que je suis quelqu'un d'extrêmement gentil, hein, et que je pille... Mais j'essaie de quand même pas trop faire mal aux gens, parce que je connais cette sensation. Alors vu que je suis quelqu'un de somme toute très gentil, je pille, mais je remplace. Ah, quoi que là-dedans, attends, il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant aussi. Là. Attends, on a pas tout fait là. On a pas tout fait. Bon, c'est très long. Bon, bon écoutez, il y en a pour 2 heures. Bon, dans le doute quand même, je suis en train de casser le truc, mais dans le doute, au cas où il se connecte, faut pas laisser le... C'est la place au doute, hein. on sait jamais, voilà, s'ils se connectent, voilà, comme ça, il n'y aura pas de problème. Ensuite, s'ils se connectent, pareil, ici, ah, le lit, on peut pas le casser. Ah si, mais ça casse très doucement, hein. C'est pas grave. S'ils se connectent, ils vont être à poil, hein. C'est pas grave. Je continue à casser, il me reste 1700 à faire, on verra bien ce qu'il y a. Bon, du coup, je suis un peu deg, là, je vous parle, mais c'est pas moi qui vous parle, c'est le monteur. Parce que ma voix a crash quand j'ai enregistré. Donc on va faire la fin de l'épisode comme ça. Écoutez, c'est original. Donc dans l'inventaire, ici, j'avais trouvé maximum de trucs assez incroyables. Dans une pauvre armoire, notamment les engrammes. Et tout ce que je suis en train de choisir là. Et directement après, la folie du raid s'est emparée de moi. Je suis retourné voir une autre base avec 20 grenades que j'ai pu me crafter grâce à mon premier raid. Et ouais, l'effet boule de neige. Et ça va péter dans tous les sens. Et là, ça va exploser, ça va être la guerre, ça va être l'enfer dans cette base. Mais bon, du coup, heureusement que j'ai fait vraiment beaucoup de grenades. 20, ça me paraissait immense. J'en ai déjà balancé quasiment une dizaine. Et la porte n'est toujours pas cassée. Donc c'est pas super efficace quand même. Tiens à le dire, je pensais que ça allait être mieux. Et enfin, la porte cède. Ouais, voilà, faut quand même que j'évite de me prendre une grenade dans la gueule. Et après, j'entre ici et je vois que, ben, ouais, tout est bloqué, bon là il y a du fer, c'est cool, ça fait toujours plaisir. Et on voit qu'en fait il y a des code pins de partout, donc... Et en plus ça a même pas suffi, j'ai dû finir à la hache, j'ai utilisé mes 20 grenades. Tout ça pour avoir vraiment des trucs nuls. Voilà, il y a ce que je viens de prendre qui est pas mal, il y a la selle de Diplodocus, ça peut nous éviter de la crafter. Mais à part ça, vraiment pas grand-chose dans ce raid. Mais bon, c'est comme ça, c'est les raids. Parfois, ça peut être bien en attaquant une toute petite base. Parfois, c'est plus solide et c'est moins bien. C'est les aléas de Ark. Et pendant tout l'épisode, j'ai continué à farmer sur la plage pour faire des grenades encore et encore
pour ce qui nous attend dans le prochain épisode, c'est-à-dire aller chercher des plantes spécimens X pour enfin protéger notre base. Si sur le chemin on croise une base, j'ai des grenades, on explose tout et on les pille. Bon, mon enregistrement a crashé, c'est très dommage, on est un peu moins dans l'ambiance comme ça, mais j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. C'est mes premiers vrais raids sur Ark, donc posez un commentaire hein, pour me dire si j'ai bien fait ou s'il y a d'autres méthodes. Et sinon, tout ce que j'ai à vous dire, c'est tchuss tout le monde.